Je pense que je devrais commencer car je suis la plus jolie de nous toutes. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Un verre d'eau? C'est une sorte de blague? Devrions peut-être regarder de plus près. Les filles, je crois que je sais. Nous avons besoin du thé. Oui, j'ai du thé. Oui, bon, tiens. Non, mais un sachet de thé? Je n'ai jamais rien vu de tel. Les pauvres utilisent-ils vraiment quelque chose comme ça? Bon, voyons ce qui en ressort. Allô, semble être devenue brune. Cela vaut la peine de goûter, peut-être. Ça n'a pas bon goût. Je n'aime pas ça. Je ne boirai plus jamais de thé des pauvres. Je le fais pour la première et la dernière fois. C'est dégoûtant. Terrible arrière-goût. Et il faut jeter ça. Oh non, ne fais pas ça. Elle peut être utilisée plus d'une fois. Quel cauchemar. Je n'abaisserai jamais à ce niveau. Non, mais je suis juste comme ça. Ouvre ta portion, Bella. Waouh, c'est beaucoup de soda. Je sais pas par quoi commencer. Bref, je pense que j'ai besoin d'une paille pour tout boire. Pour la cerise, commence inhabituel. Regardez, ma langue est hachée. Plutôt cool, hein? Et maintenant, je vais essayer une boisson de couleurs différentes. C'est un véritable arc-en-ciel. Je suis même de meilleure humeur. Je me demande ce qui est arrivé à ma langue. Ce n'est pas grave. Mais ça a l'air cool pour moi. Merci, Emma. Tu sais, vous savez, j'ai réfléchi que j'ai décidé que je devrais changer mon look de toute urgence. Je dois choisir quelque chose d'approprié. Je vais devoir demander l'aide de mon styliste personnel. Ne t'inquiète pas, Bella. Nous allons certainement trouver quelque chose maintenant. J'ai besoin d'une tenue très lumineuse. Bon, des paillettes. Banal. Il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Ouais, essaye ça. Et maintenant, je vais faire quelque chose avec ta coiffure. Wow! Bella, j'aime ta façon de penser. Ouais, c'est toute une autre chose. Je suis tellement excitée. Merci, Quentin. Au revoir, ma belle. Emma, t'es la seule qui reste. Enlève la cloche. Je comprends pas pourquoi il y a tant de verres. Qu'est-ce que je dois faire? Salutations, belle dame. Laissez-moi vous servir. C'est une boisson de collection. Quoi? Ce n'est pas juste. Je suis censée l'avoir. Elle doit y avoir une erreur. C'est tellement beau. Ça brille. Cette boisson doit valoir une fortune. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et versement aussi. Je vais payer pour ça. Je suis désolée, mais la bouteille est déjà vide. Malheureusement, je peux pas vous aider. Mais bon, cette pauvre fille ne peut pas apprécier le goût d'une boisson aussi chère de toute façon. Je ne pas aux conclusions, Sidi. Je suis pas une gourmande, mais je m'y connais en nourriture. Emma, tu ne peux pas prendre le verre par en dessous. Oups, je ne pensais pas que la pyramide pouvait s'effondrer si facilement. C'est délicieux. J'adore. Tu veux en essayer? C'est mon cadeau. Merci. Oh, cet arôme incroyable. Je n'aime pas ça. Mesdames, il est temps pour nous de nous y mettre. Oh non, je pense qu'il faut pas qu'on se précipite. Mon Dieu, ce poisson sent si mauvais, je vais suffoquer. Est-ce que quelqu'un mange quelque chose comme ça? Non, mais tu dois essayer. C'est très gentil de ta part, Suzy. Non, je suis désolée, mais je peux pas. Garçon, viens vite. J'ai besoin de votre aide. Manger cette poisson. Je pense que c'est déjà périmé. Et si vous le demandez, je ne peux pas vous refuser. J'essaierai de faire de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. Je trouve que ce poisson a l'air plutôt bon. Ça ne me dérangerait pas de l'essayer. Waouh! C'est bon, bravo. Je savais que vous feriez bien, merci. J'admets que ce n'était pas facile. Vous êtes digne d'une récompense. Vous êtes libre de partir. Bien joué, Bella. Bien joué. Voyons comment tu t'en sors. Couvert et sauce. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? S'il vous plaît, votre steak de poisson est prêt. Merci. Ça a l'air appétissant. Les couverts seront très utiles pour moi. Il est temps d'essayer ce plaisiment. Comme il est facile de couper. Le chef a fait un excellent travail. Le poisson est très tendre.
C'est ce que j'appelle de la haute cuisine. Désolée, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai hâte de te manger. J'ai presque oublié la sauce. C'est génial. Je n'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Suzy, tu me fais peur. J'aime vraiment manger. Si vous voulez bien m'excuser, je vais enlever la vaisselle sale. Je t'envoie. Emma, ouvre ton plat. C'est difficile d'appeler ça un plat. Il y a un aquarium ici. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne vais pas manger du poisson vivant. Et tu dois, ce sont les règles. J'ai une meilleure idée. Mais vous n'avez pas besoin de le connaître. Je vais manger ce poisson tout de suite si vous insistez. Oh mon Dieu, j'ai peur de regarder ça. Les pauvres poissons, ils ne méritent pas ça. Enfin, ils ne regardent pas. Viens ici, je vais te sauver. C'est ça, super. Je te cachais, laissez croire que je t'ai mangé. Regarde, elle a vraiment fait. Oui, c'était délicieux. Tueuse. Je ne comprends pas. Où est notre nourriture? C'est indécent de nous faire attendre si longtemps. Bonjour, vous êtes qui? Je ne vous cache pas, Bella, je vous aime beaucoup. Je vais vous demander un mariage. Acceptez cette bague. Oh, c'est tellement inattendu, je ne sais pas quoi dire. La bague est absolument magnifique. Oh, c'est des dieux, ce n'est pas entièrement, c'est juste du caramel ordinaire. T'es juste jalouse de moi, Suzy. Et moi, t'en penses quoi? Super, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça sent tellement bon. On dirait que c'est vraiment du caramel. Je te l'avais dit. Regarde ça, Bella. Regarde. Non mais qu'est-ce que tu fais, Emma? Pourquoi t'as léché ma bague? Parce que c'est bon. Oh bien. Maintenant, je vais devoir la jeter. Tout est dans ta bave. Ouais. Comment ça se fait, Bella? Je pensais que nous allions être ensemble, mais tu m'as brisé le cœur. S'il te plaît, ne pars pas. On dirait que la vie personnelle de quelqu'un a des problèmes. C'est sûr. Bonjour, mon amour. Je t'ai un peu trouvé. Ne t'approche pas de moi. Ne t'avise pas de me toucher. Suzy n'a clairement pas de chance avec un admirateur. Je voulais t'offrir une bague, un gage de notre amour éternel et bien sûr des fleurs. Mais ce n'est pas une bague. Tu viens de tâcher mon doigt avec un feutre. Mange des stupides fleurs. Excuse-moi, j'ai besoin de votre aide tout de suite. Faites-le sortir d'ici. Et qu'en est-il de notre amour? J'étais enfin en train de me sévrer de lui. Jolie dame, avouez à laquelle d'entre vous est Emma? Je dois voir ma princesse tout de suite. Elle a du mal à s'exprimer et voulait dire Bella. Non, non! Je veux Emma et seulement Emma. La voilà, ma déesse. Quoi? Moi? C'est une blague? C'est impossible! J'étais juste sûre que je poserais en France. Je t'offre cette bague en diamant. Et c'est là, tout de suite. Bien sûr, je suis prête. Oh, cette pierre précieuse. Allez, viens regarder. Cela vaut la fortune. Il y a manifestement une erreur. Le prince n'a pas pu choisir, c'est ça. Donne-moi la bague. Tu ne sais pas comment gérer les choses aussi chères. Je vais le prendre. Où est passée ma bague? Quoi? Tellement d'étoiles. Je pense que nous sommes allés un peu trop loin. Range cette bague. Ma bague? Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Je dois remettre cette bague. Mon Dieu, c'est magnifique. À la fontaine dorée, qu'est-ce qui pourrait être plus beau? Waouh, ça a l'air magnifique. Ma fontaine à chocolat est aussi très belle. C'est sûr, ma fontaine a du mal à rivaliser avec la tienne. Elle est très modeste. Tu parles parce que c'est en carton. Je pense que je devrais commencer. Bon, quoi faire? C'est vrai, cela fait des années que je veux un téléphone en or. Elle est temps de faire mon rêve une réalité. Oh oui, j'adore. Est-ce que ça va vraiment marcher? Bien sûr que oui, et ça a marché. Regardez, j'ai un iPhone doré. Oui, génial, j'ai envie de l'essayer aussi. Oui, de l'or, c'est bien, mais le chocolat, c'est encore mieux. Parce que tu peux le manger. Regardez, comme ça dégouline délicieusement. J'adore. J'ai
génial, j'ai envie de l'essayer aussi. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à ma fontaine? Félicitations, c'est cassé. J'ai complètement oublié qu'il était en carton. Je vais essayer de le réhabiliter. Que cela n'a aucun sens. Accepte simplement le fait que tu n'auras pas de chocolat. Mais je te laisserai me regarder le manger. J'ai une meilleure idée. Tu peux utiliser la paille pour goûter le chocolat de la fontaine de Bella. Il n'y a rien au monde de plus délicieux que le chocolat. Mais où est-il passé? Susie, t'as fait ça? Non, j'ai ma propre fontaine. Ça doit être celle d'Emma. C'est vrai. Elle a du chocolat sur tout le visage. Ne sois pas fâchée, Bella. J'avais juste très envie d'une dent sucrée. Ce n'est pas une raison pour manger le chocolat de quelqu'un d'autre. Je ne le referai plus. Oh, peut-être que je le referai. Ça en vaut la peine. Super. Oh ouais? Je l'ai noté maintenant, je peux le mettre en ligne. Oh, vous êtes si drôles, les filles. Fille. Voyons si tu auras de la chance dans notre challenge de chocolat. Oh. C'est pas un bon début. Je ne veux pas manger des oignons. Mais je suis sûre que je peux y arriver. Alors, je vais essayer. C'est dégoûtant. Non. Il manque juste quelque chose. Ajoutons des pépites de confiserie. Thank you. Merci. C'est bien mieux aussi. Mais le goût reste dégoûtant. Heureusement que j'ai une Chupa Chups. Ce n'est pas juste. Je ne pense pas. Je suis sûre que la société irait très bien avec le chocolat. C'est délicieux. Wow. Yum. Je vais aussi ajouter quelque chose à ton plat. Comme le wasabi. Voyons si tu vas aimer un tel dessert. Il ne faut plus du chocolat. Ah oui, oui, bien sûr. Prends-en beaucoup. Oh, c'est épicé. Susie, pourquoi t'as mis du wasabi dans le chocolat? J'ai pensé que t'aimerais bien. Yeah. Wow. Je n'arrive pas à y croire. J'ai de la glace. Wow. No. Et j'ai des piments. Hmm. Je ne les mangerai pas. Eh bien, on reste assise là. Et je vais essayer la glace au chocolat en attendant. C'est tellement bon. Je peux pas m'arrêter. Donne-moi un morceau, s'il te plaît. Mais t'as du piment, toi. Bon appétit. D'accord, je vais goûter. J'ai peur que ça soit trop épicé. Et c'est le cas. J'ai besoin de quelque chose de froid tout de suite. Oh, c'est tellement mieux. C'est délicieux. Je t'avais dit que la glace était géniale. Enfant de la nourriture normale. J'adore les chips. Je ne peux pas en dire autant des cornichons. Peut-être aurait-il un meilleur goût avec du chocolat? Ça n'a pas l'air bon. Mais quel goût ont-ils? Dégoûtant. Je vais vomir. Oui, ce n'est pas beau à voir. J'ai besoin d'une distraction et de quelque chose de délicieux à manger. Je vais verser le chocolat directement dans le pot. Les chips de chocolat, c'est un rêve! C'est cool, on l'est. Et maintenant, on peut les essayer. Ils ont l'air tellement délicieux! Ils ont tellement bon goût!
en goûter aussi. Je vais en prendre. Peut-être que Monica ne remarquera pas. Hein? Ne touche pas à ça, Suzy. C'est à moi. Yay, j'ai encore eu de la tuerie. La pastèque et le chocolat. C'est la combinaison géniale. Et avec du citron. C'est tellement aigre, rien qu'à la vue de cette nourriture. Espérons que le chocolat apportera un peu de douceur. Souhaite-moi bonne chance. C'est si aigre. J'ai des crampes au visage. Je ne peux pas regarder ça. Attends, Suzy. C'est ça, je n'en peux plus. J'ai juste du chocolat et pas de citron. C'est toujours aigre. Oh. Et je suis sur le point de devenir très gentille. Incroyable combinaison. Je n'avais pas tort. Bien sûr, t'as toujours de la chance. Pas besoin d'être jalouse. Quelle jolie sucette. Je ne sais même pas lequel choisir. Oh. C'est une moquerie. Pourquoi vous avez des bonbons et moi des brocolis? Au moins, cela ne vous fera pas mal à la figure. Regarde, tu peux porter ces sucettes comme des bijoux. Mais mieux les manger. Ce sont des vrais diamants sucrés. Arrête de parler. Prends et mange ta brocoli. Je vais le prendre et le manger. C'est délicieux. Je pense que t'es un peu trop nerveuse. Yeah! Bingo! Encore des bonbons! Toute une tasse de Skittles. On peut qu'en rêver. Oh! Le poulet est bon aussi, mais pas avec du chocolat. Tu es toujours mécontente de tout. Détends-toi et profites-en comme moi. Wow! Voici une excellente recette, par exemple. Des Skittles au chocolat. Regardez cela à l'esprit, vous y arriverez un jour. Très savoureux. Je n'en doute pas. D'accord, je vais essayer le poulet. Fais-moi savoir plus tard comment tu l'aimes. Je pense que, comme d'habitude, que ça ne va pas bien se passer. Souhaite-moi bonne chance, j'en aurai encore besoin. Et tu sais, Monica, c'est tout simplement génial! Sérieusement? Bien sûr, pourquoi mentirais-je? Donne-moi le poulet. Je vais essayer aussi. Je vais essayer d'ajouter des bonbons, ça aura encore meilleur goût. C'est lumineux. Ce n'est pas bon du tout. Suzy, tu m'as piégée. Désolée. Aïe, ça fait mal. J'ai un cactus piquant. Comment je vais le manger? J'ai eu enfin droit à une bonne friandise. Les bananes en chocolat sont censées être délicieuses. Allons voir. J'ai hâte d'essayer. C'est fait. Oh oui, c'est magnifique. Comme je le pensais. Ça a l'air délicieux. Et ça a le bon goût aussi. Oups. Oh, pardon. Tu peux être plus prudente, s'il te plaît?
Tu es en colère parce que t'as faim. Dans le cactus pendant que je finis la banane. Je ne sais même pas comment l'aborder. Bien que j'ai une idée. Quoi? Je vais essayer de couper les aiguilles. Je pense que ça marche. Et la dernière. C'est fait. Il est temps d'ajouter du chocolat. Ça a le goût très bizarre. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Waouh, c'est des verres de marmelade. Wow. Quelle surprise! Il faut les récupérer tout de suite. J'ai vraiment de la chance. Et bon, pourquoi c'est toujours comme ça? J'ai même perdu mon appétit. Alors moi, j'ai vraiment de l'appétit là. Un burger? Mais je ne veux pas verser du chocolat dessus. Oh. Et moi, j'ai eu de la marmelade. Yeah. Je pense que ce sera le plat parfait. Yeah. Bon, je ne suis pas habituée aux saveurs bizarres. Je n'ai pas abandonné l'espoir que c'est bon goût. Et waouh! Mmh. Et c'est vraiment bon? Quel cauchemar! Comment tu peux manger ça? J'adore! Je n'ai rien contre une échange. On ne va pas discuter des goûts. Mais je suis plutôt du genre marmelade de chocolat. C'est vraiment bon. Ça te dérange pas si j'en étais aussi? En fait, ça me dérange. Oh, le moins. Ah, ça fait mal. Je suis désolée, mais c'est toi qui m'as demandé de te le donner. Oups. Chocolat contre chewing-gum, voyons qui gagne. Oh. Je connais déjà les réponses à cette question. Regardez la super machine à barres chocolatées que j'ai reçue. Je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de choses. Yes. J'ai la machine à chewing-gum, c'est si lourd. Waouh, il y en a beaucoup. J'adore. Je dois tourner la poignée. Je vais essayer. J'adore. Ça marche. Je me demande quel goût a le chewing-gum vert. Ça me rappelle une pomme. Il y avait quelque chose de liquide à l'intérieur. Oui, c'est bon. Marie, regarde mon chewing-gum. C'est super. J'adore. Tu veux pas essayer une autre saveur? Oui, une bonne idée. Mais je n'arrive pas à tourner. T'as raison, ça marche pas. Mais il doit y avoir une solution. Je pense que la machine peut être démontée. Oui, faisons un essai. Super, ça a marché. Que je ferai sans toi? Ceci est pour toi en guise de remerciement. Sers-toi, j'ai choisi une autre saveur. Au mieux encore, je prendrai plusieurs à la fois. Waouh, ça a tellement meilleur goût. Je vais essayer de courir plus de chewing-gum dans ma bouche. Je suis heureuse que tu l'apprécies. Alors, nous n'avons pas essayé pour rien. J'espère que ma machine ne me décevra pas non plus. Je suppose que je dois appuyer sur un bouton pour obtenir une barre chocolatée. Oh, ça ne marche pas. Oh, Twix! T'as un sacré punch, bien joué! Je ne pensais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait. Génial! J'ai déjà deux barres. Pas le temps de s'arrêter, continuons à avancer. Je commence à y prendre goût. C'est très excitant. C'est beaucoup de choses! Ce n'est pas une mauvaise façon d'y aller. J'ai fait de mon mieux pour obtenir mes chocolats. Il est maintenant temps de les reconstituer. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux! Le chocolat fond dans la bouche comme un nuage. Je suis satisfaite. Regarde tout ce caramel. C'est pour cela que j'aime Mars. Et j'adore Twix avec ses biscuits croustillants. Oh oui, ils sont toujours aussi délicieux. Je peux faire un deuxième tour. C'est une sorte de folie chocolatée. J'adore ça. Il ne reste qu'une seule barre. C'est dommage que toutes les bonnes choses se terminent si vite. Il n'y a rien dans la machine. Allez, mets-toi au travail, je veux plus.
Ben oui, ça va. Est-ce que ça va bien? C'est l'amour du chocolat la ruinera un jour. Heureusement que je sais comment m'arrêter à temps. Il y a tellement de chewing-gum que je peux à peine le compter. C'est quelque chose d'incroyable. Regarde Kate, quelle belle et fragile construction en chocolat. J'ai peur de respirer, peur de la laisser tomber. Mais tu dois l'essayer, alors fonce. T'as raison. Waouh, c'est devenu cool. Je veux ruiner tout ce qui reste. Et encore. Et voilà, j'ai réussi. Ce n'était pas du tout difficile, mais c'est très excitant. Maintenant, c'est ton tour. J'en suis. Regarde, je le fais aussi, c'est génial. Je pense que nous pouvons tout essayer. T'as raison, ne perdons pas une minute. Oui. Mon chewing-gum est très joli. J'adore la couleur rose. C'est si doux et sucré. Juste comme je l'aime. J'ai hâte d'essayer mon chocolat. Il est aussi très beau. Regarde comme c'est doux. Waouh. Un goulet. Nous avons de la chance. Kate, j'ai pensé à quelque chose. Tu vas adorer mon plan. C'est tout simplement génial. Je peux être fière de toi. Cela ne pourrait pas être mieux. Dépêchons-nous et commençons. T'as raison, je lance et t'attrape. Oui. Oui, j'ai attrapé. Et maintenant, on échange. Vas-y, ouvre au grand. Oh non, je n'arrive pas à le toucher. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tranquille, Marie. Ce n'est pas mon tour, je n'ai pas de chance. C'est tellement ennuyeux. Bon, je suis sur le point d'épuiser ma patience. J'aurais dû te dire tout de suite que tu avais un problème au tir. Tu n'es pas touché à un sol. Heureusement que le chocolat n'est pas volé sur le sol. L'unité la porte chance. J'adore la pâte de chocolat. Et j'ai eu des chewing-gum. Pas mal non plus. Je trouve que c'est très inhabituel. C'est un tube. Ça ressemble à du dentifrice, mais je suis sûre que le goût est différent. J'avais raison. C'est génial. Je suis désolée, Marie, mais je dois prendre une bouchée. Oui, je m'attendais pas à ce genre de chewing-gum. Je bois encore et encore et encore. Oui, j'adore. Mais ce tube est déjà vide, c'est impossible. Qu'est-ce que tu prépares, Kate? Je dois le découper. Je suis sûre qu'il y a encore du chewing-gum à l'intérieur, mais je n'arrive pas à le faire sortir. Cool. Oui, j'adore. Je n'ai pas essayé pour rien. C'est une récompense digne de ce nom. Bon, il est temps pour moi d'essayer le Nutella. Mais comment l'ouvrir? Oui, ça marche enfin. Oh non, un autre obstacle! Tu t'en remettras facilement. Heureusement, il s'est avéré que tu avais raison. Regarde, il y a ma pâte de chocolat. N'est-ce pas magnifique? Oui, mais ne me le fourre pas sur le nez. Désolée, c'est par pure émotion. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. Je ne doute pas que ce soit délicieux. Je vois qu'il n'y a pas moyen de t'arrêter. C'est un bon point que tu as fait. Marie était couverte de pâte de chocolat. Cela vient de me frapper. Et si nous combinons nos sucreries? Chewing-gum et Nutella? Nous pourrions l'essayer. Je pense que nous pourrions faire quelque chose de différent. Vas-y, toi d'abord. J'espère que je ne serai pas dessus. J'aime bien jusqu'à présent. Alors, ton plan fonctionne? Je vais essayer de gonfler le chewing-gum. Je vais voir si ça va être chocolaté. C'est vrai. Il faut vérifier. Alors, Marie? Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. Ça m'a donné envie d'éclater ta bulle. Alors, c'était drôle. Oui, on est toutes sales et j'aime bien. Ouais, tiens. Ça te va très bien. Un Kinder, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des chewing-gums longs. J'adore. Oui, c'est tellement beau. Ne perdons pas de temps. Je suis prête à essayer mes œufs en chocolat. J'espère qu'il y a un cadeau à l'intérieur. Oh! Il y a deux moitiés. Avec quoi je dois commencer? Je pense que je vais prendre cette moitié. Génial! Il y a un jouet à l'intérieur. Je savais qu'il y avait un cadeau dans cet œuf. Il faut rassembler des pièces. Je ne pense pas que ce soit difficile. Waouh! Quel adorable ours!
Elle a même une couronne. J'ai presque oublié les autres jouets. Il est temps de les rencontrer aussi. Super, ça a l'air très bien aussi. Montre-moi, Marie. C'est pour moi? Merci. Oui, la bague s'adapte parfaitement. Je suis heureuse que tu l'aies appréciée. Il est temps de voir ce qu'il y a dans les autres moitiés. Les boules de chocolat avec la pâte crémeuse sont super. J'adore, c'est tellement doux et délicat. Oui, je suis choquée. Heureusement, t'en as encore. Oui, je sais, j'ai beaucoup de chance. Je pense que je vais manger juste comme ça. Oui, j'y arrive. Ah, laisse-moi essayer mes chewing-gums. Avec quoi je vais commencer? Oh, j'adore! C'est tellement sucré! Et pour que le goût soit encore mieux, je dois mâcher plus de chewing-gum. C'est la bonne quantité. Oh, le goût est si riche! On dirait que tu vas te régaler. Regarde, Marie, est-ce que je ressemble à une pieuvre? Oui, exactement la même chose. Quel plaisir! Oh, je veux plus! J'adore les chewing-gums. Cette portion me semble même petite. Je n'avais pas réalisé que tu avais tant de choses en toi. C'est ce qu'il faut pour gonfler une énorme bulle. Prépare-toi, t'es sur le point de tout voir. Waouh! C'est vraiment très grand. Il est peut-être temps de t'arrêter. Ké, tu m'entends? Il y a de plus en plus de monde ici. Oh, quelle explosion! Je t'ai prévenu. Ça va? Ça va bien? Comme c'est charmant, j'adore la couleur bleue. Et j'ai eu un gâteau bleu. C'est le destin. J'adore le rose. Et les filles aussi. Et mon gâteau est rose. Avec des fraises. Wow. Ce sont des gâteaux tellement grands et lumineux. Pourquoi j'ai un malentendu noir? J'espère qu'au moins elle a bon goût. Tu vas le découvrir plus tard. Parce que je veux manger, moi. J'ai un gâteau décoré avec des yeux engelés. Tu peux jouer avec et ensuite les manger. Pendant que tu joues, nous pouvons te voler des bonbons. Pas les pattes! Elle dit que vous pouviez toucher mon gâteau. Et mes yeux, n'osez pas. D'accord, d'accord, mais ne crie pas. Parce que j'en ai marre de vous. Je peux jurer tous ces yeux moi-même. C'est comme s'ils disparaissent dans ta bouche. Waouh, c'est la vitesse. Oui, ça a bon goût pour moi. On ne saurait même pas comment. Alors regardez. C'est comme si j'avais un troisième œil. Waouh. Est-ce que c'est vraiment réel de manger tout ça? Regardez. C'est comme un troisième œil. Oui, comme du vrai, cool. Yeah. Alors, on a fini. Et maintenant, c'est l'heure du gâteau. Comme la crème est bonne. Et je sais comment manger vraiment vite. Regardez. Oh, tu vois ça? J'ai la tête qui tourne. Et moi aussi. Et voilà, ça est fini avec la crème. Mais regarde. Oui. J'ai un gâteau vraiment délicieux et magnifique. Mais c'est juste un bilébrant ennuyeux. Et maintenant, c'est mon tour. J'espère que la couleur de mon gâteau n'affecte pas son goût. Quelque chose me dit que ce gâteau est dégoûtant. Tu l'inventes. C'est pas mal du tout. C'est savoureux et bon. Oui, mais pourquoi tu fais l'impasse sur le brocoli noir? Parce que je ne le supporte pas. J'en ai assez du délicieux gâteau. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, tu es censé manger tout ce qu'il y a dans ton assiette. Oh, Suzy, arrête. Je suis plein. No. Il faut manger ça. Je peux pas. Tu ne veux pas? Alors, je vais t'aider. Regarde ce que j'ai. Ouvre ta bouche, je vais te nourrir. Non. L'avion, l'avion. Cool. Ouais, c'est désagréable.
je déteste le brocoli. Oh, notre cuillère pour maman. Non, c'est horrible. Zach, tu te souviens? Quand je mange, je ne parle pas. Et puisque tu as terminé, je peux manger mon gâteau. J'ai une idée géniale. Je vais me venger de Marie pour ce brocoli. Oh, pourquoi ton gâteau sent si mauvais? Ça pue? Mais ce n'est pas censé sentir. Zach! Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Waouh! T'as tout ton visage couvert de crème et de fraises. Et quoi? C'est cool! Et moi, je suis si bonne que le gâteau. Oh, ouais. Peut-être on peut manger aussi. Non. Je vais manger moi-même. Oh non. On peut juste attendre. Ouais. Pourquoi c'est si injuste? Tu ne peux pas nous laisser un seul morceau. Wow, quelle petite chose cool. Reste à voir comment cela fonctionne. J'ai tout compris. C'est une simple machine à gomme. Et j'en suis ravie. Moi aussi. Sauf que ma machine à gomme est tellement plus grande. Je ne peux même pas y mettre les mains. Wow! Pendant que Zach essaie de faire un câlin à sa machine, je vais essayer de jouer pour obtenir des bonbons. Yay! Yeah, j'ai de la chance! C'est la première fois que je joue, c'est déjà un jackpot. C'est génial. Mais pourquoi la machine ne te donne-t-elle qu'un seul chewing-gum? Je veux encore. C'est cool. Devrions peut-être toucher quelques jackpots. Eh! Oh non! Il ne veut pas du tout marcher. Mais quoi faire? Comment faire? Je sais pas du tout. Ah oui, il suffit de frapper la machine avec un marteau. Est-ce que c'est un marteau, ça? On dirait un cure-dent. Ah oui, c'est drôle. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Prends ça. Tiens. Au revoir, la machine. Bonjour, les chewing-gums. C'est bien. Oh, tout va bien. Maintenant, je n'ai pas à sevrir. Je peux simplement manger tous les bonbons. Ils sont si bons. Regardez, c'est un vrai chewing-gum. Comme c'est cool. Waouh. Les chewing-gums de Suzy ont l'air délicieux. Alors, j'ai envie de sortir les chewing-gums de ma machine. Mais je ne sais pas encore comment le faire. Je pense que c'est trop dur. Je n'arrive pas. Mais tu sais pas comment faire. Il faut faire comme ça, très lentement et très soigneusement. Qu'est-ce qui te presse? Laisse-moi te montrer. Lentement, lentement. Chaque bonbon doit tomber dans le trou pour rouler jusqu'à nous. C'est ça. Zach, l'ingénieux, a encore sauvé la journée. Pour cela, il reçoit un prix. Sous la forme de tous ses chewing-gums. Je peux très bien me débrouiller sans toi. Alors, c'est parti. Waouh, quel moyen pratique de manger du chewing-gum. Pas de mensonge, pas de manipulation de la machine. Tout ce qu'il faut, c'est Zach. C'est comme ça que tu me remercies. Eh bien, au moins, j'ai tout un tas de choses bonnes devant moi. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre un centime dans ma machine et j'aurai tout le chewing-gum. Oh mon Dieu! Tant de chewing-gums sont tombés. Et c'est comme s'il n'y avait pas moi à l'intérieur du ballon. C'est beaucoup de chewing-gums pour moi. Les filles, tout le monde avait un chewing-gum. Pourquoi personne n'a pensé à souffler une bulle? Oh, je sais pas. Eh bien, moi si. Parce que vous aurez définitivement perdu contre moi. Ma bulle aurait été tellement plus grande. Oh, je pense que la bulle est trop grande. Oh my God! Regarde, Zach est en train de voler. Tiens-le. Oh. Zach, tu vas où? Oh. Aidez-moi. Oh oh. Ah. Oui, c'est drôle. On dirait que notre astronaute est en train de revenir sur Terre.
5 minutes, vol normal. Zach, t'es si drôle. Des pantalons? Une épingle? Mais à quoi cela sert? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée de ce qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux qui nous attend à l'intérieur de ces ballons. Les gars, laissez-moi être la première à le vérifier. Hey, here we go! Allons-y. Wow! Ce ne sont pas n'importe quelles friandises, ce sont des Skittles. C'est génial. Il y en a tellement. Cool. Je vais les prendre tous. Comme c'est bon. Cool. Allez, Zach, maintenant à toi de jouer. Oui, d'après l'étiquette sur le ballon, il y a du sirop de chocolat qui m'attend à l'intérieur. Et c'est meilleur quand on le mange avec les gaufres. Alors, je vais juste mettre une gaufre dessus pour que ce soit plus confortable. Oh non, pourquoi tout s'est déversé sur moi? Je pense que t'as un peu mal compris la gaufre. T'aurais dû la mettre à gauche. Oh, très drôle. Vous savez ce qui est vraiment cool? Que j'ai porté une super moustache à chocolat. Oui. Comme un enfant. Peut-être comme un chaton. Ce n'est pas drôle du tout. Allez, vous êtes si ennuyeuse. Je préfère manger ma gaufre. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Si je perfore le ballon, le Fanta va se déverser sur moi. Je suppose que je pourrais juste simplement boire le Fanta dans le ballon. C'est beaucoup plus pratique. Et plus savoureux. Hey, hey! Oh non! Allez-y! Oh, Teradine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, on va lui donner une leçon. 1, 2, 3. Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis toute collante et mouillée. La prochaine fois, ne sois pas gourmande.